Madame, monsieur, bonjour. Le DVD que vous regardez a été réalisé bénévolement par le comité Sprimont Éolienne, qui se compose notamment de juristes, de spécialistes de la santé au travail, d'ingénieurs civils et d'indépendants habitants à Sprimont. Ce comité n'est pas contre les éoliennes dans l'absolu, mais pas n'importe où ni n'importe comment. Il s'est constitué à l'initiative de personnes venant des différents hameaux de Sprimont qui seraient plus directement touchés par le projet du parc d'éoliennes présenté lors de la réunion d'information publique de septembre 2009. Celle-ci se tenait à l'initiative du promoteur, la société GreenTech, en présence du bourgmestre M. Ancion. L'examen du projet nous a fait apparaître qu'il s'agissait d'un parc situé dans une zone particulièrement peuplée par rapport à ce qui se pratique d'habitude et que les éoliennes de 120 à 150 mètres de haut seraient situées à des distances comprises entre 420 mètres et 700 mètres d'un grand nombre d'habitations. Elles seraient également très proches des zonings de Dameray et de Cornemont. Le présent DVD a pour objectif de vous faire entendre les témoignages des habitants du village de Bourcy, hameau de Bastogne, qui, malheureusement pour eux, sont confrontés à ce qui pourrait nous arriver, ce qui pourrait également vous arriver, si nous ne faisons pas entendre tous ensemble notre voix avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi avons-nous choisi Bourcy ? Parce que, comme le montre la comparaison des cartes des projets de Sprimont et de Bourcy, la configuration du parc de Bourcy est tout à fait comparable à celle du parc que certains voudraient construire à Sprimont. L'implantation de 5 des 7 éoliennes est la même, et les vents dominants sont aussi de l'ouest, donc le vent y porte aussi le bruit vers les habitations. En plus, il y a trois facteurs aggravants de l'importance à Sprimont. Premièrement, les éoliennes de Bourcy sont à minimum de 700 mètres des habitations, alors qu'à Sprimont, les éoliennes les plus proches se trouveraient à moins de 450 mètres d'habitation et à 280 mètres du zoning de Dameray. Deuxièmement, par ailleurs, la densité de l'habitat est largement plus importante dans les hameaux de Sprimont qu'à Bourcy. Et enfin, troisièmement, le parc éolien prévu actuellement à Sprimont se situerait au centre d'un cercle qui, dans un rayon de seulement 1 km, englomerait plus de 600 maisons auxquelles doivent s'ajouter tous les bâtiments du zoning de Dameray et de Cornemont, qui seront eux aussi, d'ailleurs, aux premières loges. Ceci concerne donc, au premier chef, plus de 3000 personnes. Voici des extraits des commentaires de diverses personnes que nous avons rencontrées à Bourcy et que vous entendrez plus complètement dans la suite de ce DVD. Moi, je dirais les éoliennes, trop proches des citoyens, c'est une torture. Parce que vous avez un bruit de fond tout le temps. Tout le temps. Quand on se met dans le lit et qu'on entend ce bruit, il n'y a pas une nuit où on ne se réveille pas. Moi, qui est sourd si on veut, hein. Mais moi je les entends, il ne faut pas demander à elle qui entend bien. Oui, mais en hiver, par exemple, Olivier travaille à 5h du matin régulièrement et se lève en disant « Oh, le putain d'éolène m'a encore empêché de dormir cette nuit ici, c'est... » Alors je dis, je comprends les gens, un boucan terrible, mais qu'on ne dort pas la pilule aux gens, qu'on ne fasse pas croire que c'est écologique, que c'est vert et que c'est ceci et que c'est cela, ce n'est pas vrai. Nous sommes tous spoliés dans l'histoire. Et ça, nous ne récupérerons jamais, nos enfants ou nos petits-enfants ne récupéreront jamais la valeur de notre bien que nous avions avant le... Ouais. Les brefs commentaires entendus sont sans équivoque. Notre comité a constaté, lors de ses recherches, que l'aspect distant des éoliennes par rapport aux habitations n'était pas du tout anodin et qu'il n'était pas ou peu étudié par nos responsables politiques quant aux conséquences sur la santé des habitants concernés. Or, depuis quelques années, les études scientifiques se multiplient sur cet aspect
et lance de très sérieuses mises en garde. Nos politiques ne peuvent plus les ignorer. Les personnes que nous avons interviewées à Bourcy vont ici témoigner sans embâge sur ce qu'elles subissent depuis l'implantation du parc d'éoliennes dans leur voisinage. Dans les interviews qui suivent, vous entendrez M. Crémer, commerçant de premier plan en Bourcy, dont l'habitation est à 700 mètres des éoliennes, un couple de personnes âgées rencontrées au centre de Bourcy, dont la ferme est située à 1,750 km du parc. M. Baudouin, professeur retraité, dont la maison se situe entre Bourcy et Noville, à 700 mètres de la plus proche éolienne. Madame Poncelet, enseignante vivant à Moinet, hameau situé à 3 km de Bourcy et 3,5 km de l'éolienne la plus proche. Et enfin, M. Pirotte, pharmacien à Bourcy. Nous vous retrouverons après la vision de notre reportage. Et on les a regardés monter contre les nigots. Pour le bénéfice d'un seul promoteur. On voyait souvent des Milan. Ouais, qui ont des rapaces ouais, sur les éoliennes. Encore plus, hein. Bonjour, vous êtes Monsieur Crémer et vous habitez à Bourcy. Vous avez, votre maison que vous avez construite il y a combien de temps ? Construite voilà 14 ans. 14 ans. Elle se trouve maintenant à combien de mètres du parc d'éoliennes qui a été construit il y a 2 ans ? À peu près à 700 mètres. À peu près à 700 mètres. Est-ce que depuis que ce parc est construit, est-ce que vous pouvez nous expliquer, je dirais, la différence de vie ou d'environnement que vous avez eu, que vous subissez et que vous connaissez? Ben, la différence, c'est que depuis qu'elles sont montées, ben, nous avons l'impression d'avoir des Airbus autour de la maison, la nuit. La journée, ça passe encore puisqu'il y a la vie dans le village. Mais la nuit, ça arrive qu'il faut qu'on referme les fenêtres en été pour... parce que c'est impossible. Et pour donner encore une comparaison, cette nuit ici, on avait vraiment l'impression qu'un Airbus était autour de la maison, tellement le bruit est permanent, et ça, fenêtre fermée. Fenêtre fermée ? Fenêtre fermée. J'ai ma fille qui dort ici sur l'arrière, elle. Oui. Dans sa chambre, il y a un bruit de fond permanent. Un bruit de fond... comme on entend un avion qui passe dans le ciel, oui. Mais qui est permanent. Oui, de ce fait-là, on a, donc vous dites qu'il y a à peu près 700 personnes qui habitent à Bourcy. Nous avons appris en nous renseignant que le bourgmestre de Bastogne, qui est donc votre bourgmestre, a reçu de l'ordre de 250 plaintes. Oui. Des riverains de ce parc, ce qui veut dire à peu près la totalité des riverains du parc. Pas spécialement. Tout simplement, ce qui s'est passé. Donc, vous dites, il faut se référer en 2008. Hein. En 2008, on parlait accord Kyoto, etc. Donc, énergie renouvelable et ainsi de suite. Donc, la commune a fait totale confiance à la région wallonne et ainsi de suite. Ils se sont fait un peu dupés par la région wallonne, probablement, et les études de bruit, dont CSD, par exemple. Hein. Donc, ils ont, bah oui, un parc éolien, c'est pas mal, des éoliennes, c'est pas mal, c'est l'énergie renouvelable, etc. Et ils ne se sont sûrement pas rendus compte des effets que l'on allait avoir. Et d'ailleurs, nous non plus. On a été le voir monter ce parc. Hein. Je vais dire toutes les semaines, on les laisse promener tout près, voir les camions qui arrivaient, etc. Tellement qu'on était impressionnés par le charroi et ainsi de suite. Et c'est en fin 2010, quand le parc a démarré, que le soir, mais qu'est-ce qu'on entend là? On n'a pas d'autoroute tout près, on est sur une ligne d'avion qui va vers Luxembourg, mais c'est pas possible cet avion-là, où est-ce qu'il est? Là-dessus, nous, on s'est plaint à la commune. À qui d'autre?
à la commune. Avant que la commune commence à comprendre le problème, mais il a fallu déjà peut-être 2-3 mois. Donc au mois de mars 2011, nous avons eu une réunion avec le bourgmestre, avec le promoteur et les CSD. CSD, c'est donc le bureau d'études, pour l'étude d'incidence, oui, qui a fait l'étude d'incidence avant. C'est ça. Hein? Et il faut savoir que c'est le même bureau qui a contrôlé le parc. Parce que dans le permis, il est stipulé que le parc doit être contrôlé et doit se mettre aux normes en vigueur de la région wallonne, les fameux 40 dB. Mmh. Moi-même, j'ai acheté un bête de 100 mètres. On est toujours au-dessus des 40 dB. Mais c'était au mois de mars. Les mois ont passé, mars, avril, mai, on retourne à la commune. Et alors, quand ils viennent mesurer, parce que ça fait un boucan infernal, ils sont arrivés un jour, il faisait du vent à peu près comme ça, au mois de juin, et là, ils sont venus mettre leur sonomètre. Je m'arrête près du gars et je lui dis, il n'y a pas trop de vent ou quoi? Oh, mais vous savez, on extrapole. Et vous allez faire comment? Ah ben, il faut qu'on arrête les machines pour avoir le bruit de fond, etc. Enfin, il explique un peu. Et vous allez faire ça sur une nuit? Oui. Et c'est suffisant? Oui, pas de problème. Quand on a eu la réunion d'information de cette étude, on a bien remarqué que c'était du n'importe quoi. Pour vous donner un exemple, ils mettaient les éoliennes au maximum pendant une demi-heure, puis ils les coupaient une demi-heure. Maximum une demi-heure, coupé une demi-heure. Et ils faisaient une moyenne sur une heure. Donc on leur dit, écoutez, on est peut-être des bêtes riverains, mais vous êtes en train de foutre de nous là. Ah mais, on savait avec les formules, etc., on extrapole quoi. Attendez, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait là. On parle d'un parc éolien avec, je ne sais pas, une production de X kilowattheures ou mégawattheures. Est-ce que vous croyez véritablement qu'on arrive toujours à ces productions-là? Bien sûr que non. On n'a jamais les 12 mètres secondes non-stop tout le temps. On a des vents, oui, et puis le lendemain, il n'y a plus de vent. Et il faut savoir une chose, depuis qu'on a les éoliennes, au moins, il y a un point positif. Le matin, on sait d'où vient le vent. Ça, c'est un point positif. Sachez que les journées, le vent, il tourne. Hein. Mmh. Donc, la machine doit s'arrêter, elle se met en drapeau, et puis vous la voyez tourner pour reprendre le vent d'où il vient. Ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure, ça. Oui, oui. Qu'elle s'arrête, ne produit pas, là. Hein. Donc tous ces paramètres font que ça ne produit pas. Moi, j'ai voulu, et je voudrais bien avoir ce qu'un parc produit exactement. J'ai demandé par personne interposée à Aurès, puisque d'après Elia, qui est la haute tension, c'est Aurès qui a les chiffres, et d'après Aurès, c'est Elia. J'ai demandé, puisque donc à Bastogne, vous avez donc un échevin qui fait partie du groupe Aurès, de l'intercommunal, voilà. Vous savez les chiffres qu'ils m'ont donné? Non. Donc moi, j'aurais voulu savoir déjà, quand ils ont fait l'étude de bruit, si elle produisait bien ce qu'on disait. Parce qu'on peut les faire tourner sans qu'elles produisent. Hein. Bien sûr. Techniquement, elles peuvent tourner, elles ne donnent rien derrière. Hein. Le 29 novembre, production forte. Je peux vous montrer le mail. Hein. Le 30, faible. 1er décembre, moyen. Voilà, j'ai pas eu de chiffres. Quand j'ai posé la question à la dame, vous savez, monsieur Crémer, c'est comme si on vous demandait votre bilan à vous, ce que vous avez vendu, etc. Hein. Vous savez, mon bilan, vous pouvez le trouver sur... la Banque Nationale, hein, il n'y a pas de problème. Hein, donc voilà les chiffres qu'on nous donne. Rien. J'ai reposé la question à Electrabel lors d'une information à Longchamp, parce qu'ils veulent mettre un parc un peu plus loin. Il a noyé le poisson. Donc, vous ayant entendu, quelle est la conclusion que vous pourriez donner à tous ceux qui vous écoutent en disant, voilà, ces personnes qui vont peut-être avoir un parc éolien autour d'eux,
qu'est-ce que vous leur dites de faire ou bien de, comment réagir? Mettre des boules qui est, de mettre du triple vitrage dans leur maison. Non, blague à part, de bien se renseigner du parc qui va être monté, à quelle distance, etc. Et ne pas se laisser faire. Ça, c'est clair. Et ça fait du bruit. Que ça soit n'importe quelle machine, ça fait du bruit. Il y a peut-être des machines qui font plus de bruit que d'autres, mais le bruit, il est là. On voulait vous poser une dernière question. Depuis que vous êtes soumis, je dirais, à... depuis que vous êtes soumis au parc éolien qui se trouve autour de chez vous, avez-vous ressenti au niveau de votre santé quelque chose? Écoutez, depuis qu'il y a ce parc éolien là, quand les machines produisent et qu'elles font du bruit, qu'on se met dans le lit et qu'on entend ce bruit, il n'y a pas une nuit où on ne se réveille pas. Ça, c'est clair et net. Et ça m'est arrivé, oui, d'avoir le lendemain un mal de tête et d'avoir un petit peu des nausées que moi, je pense que c'est parce que je n'ai pas bien dormi. Si on ne dort pas comme ça pendant quelques nuits complètement, qu'on n'est pas bien reposé, oui, ça, j'ai déjà eu. Et ça, c'était... Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation-là avant que les éoliennes soient là ou pas? Non. Jamais. Et je peux vous dire une chose, que quand elles ne tournent pas, on a l'impression d'être au paradis. Quand les machines, c'est déjà arrivé la nuit, donc on se met au lit 22h, et je ne sais pas pourquoi, peut-être un changement de vent, à 23h, elles sont arrêtées. Eh bien, on se réveille parce qu'il n'y a plus de bruit. C'est une sensation de... Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme les marins quand leur bateau arrive au port et qu'on coupe les moteurs. Exactement la même chose. Tout à fait, tout à fait. Parce que vous avez un bruit de fond tout le temps. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est clair que j'ai déjà eu des genres de nausées et mal de tête toute une journée parce que on n'a pas dormi et que l'on s'énerve avec ça. Hein. Ce que peut dire aussi aux gens qui sont tout près, quelque chose qui on n'en parle pas beaucoup, c'est l'effet stroboscopique. Ça, c'est super. Hein. Bien entendu, on n'a pas ça toute l'année. On a ça mars, février, mars, changement d'heure, on ne l'a plus, et on le retrouve au mois de septembre. D'ailleurs, on a fait un petit film, tapé boursier éolienne, on a fait un petit film avec ça, sur cet effet stroboscopique. Un monsieur pensionné qui habite au milieu du village, qui lit son journal le matin, là, c'est une belle baie vitrée, se plaint de cet effet stroboscopique. Est-ce qu'on a demandé l'avis à ce monsieur? Non. Donc, il doit partir de sa pièce pendant 20 minutes parce qu'il y a cet effet stroboscopique. C'est juste quand le soleil donne, ça dépend quand ça donne, quoi. Hein. Quand ça vient sur la TV, isolant la TV, c'est bien d'abord pareil. Il y a l'ombre qui revient. Ah ouais. La maison qui est en haut ici, c'est la même chose. On voit les palmes qui tournent dans la maison. Là-bas. Alors quand ils gardent leur TV, c'est justement la même chose. Et ils doivent fermer les rideaux. Ça s'ennuie c'est parce que c'est... Ah oui, c'est toujours un tourment... Et au niveau du bruit, qu'est-ce que vous disiez? Ça fait comme un bruit de moteur, là, fait C'est un roulement, quoi. Comme ça tourne, hein. On dirait, allez, je vais dire, un roulement qui commence à se déboîter, si on veut. Oui, oui. Vroom. C'est pas tous les jours, hein, ça dépend quand on vend de la éolienne, quoi. Hein. Et ça... Comme elles sont là, c'est passable. Mais quand ça tourne un petit peu vers la gauche, par là, eh bien là, ça va donner un peu du boucan. Ça vient vraiment de pluie, alors là, c'est vraiment... Ah oui. On reçoit tout ici. Hein. Donc quand vous avez vraiment le vent qui vient de ce côté-là, quoi, vient de là.
Actuellement, pour l'instant, on n'entend rien. Non, pour le moment, non. Tout doucement. Tout doucement. Ouais. Enfin, et c'est surtout le soir, à mon avis, que vous entendez. Oui, parce que la journée, on est occupé. On est occupé, on pense pas ensemble. Oui, oui. La circulation et tout ça, mais c'est le soir, quand on est dans le jardin, parfois. Plus est-ce qu'on va au bout du village là-bas, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils sont très proches des éoliennes. Oui, oui. Vous êtes à peu près à combien de mètres des éoliennes ici? 2 kilomètres. 2 km 1 km 750 à 2 km. 1 km 750 à 2 km. Et donc vous les entendez encore d'une façon claire et nette. Moi qui est sourd si on veut, hein. Mais moi je les entends. Il ne faut pas demander à elle qui entend bien. Quelle bonne oreille. Ah ben voilà. Je suis retraité. Ah, vous êtes retraité. Heureux retraité. Mais j'étais instituteur au point de départ et j'ai toujours travaillé dans l'enseignement spécialisé secondaire. Et vous avez œuvré ici dans la région? En Bastogne, un peu à Saint-Hubert, quand il y avait des pertes d'emploi suite aux restructurations, on était réaffectés ici ou là. Saint-Hubert, Durbuy aussi, 3-4 mois. Là. Et vous habitez alors dans cette maison depuis combien de temps? 84, on a construit 84, ici. Donc ça fait 27 ans. Oui. Oui. Et vous êtes venu habiter ici, pourquoi? Parce que mon épouse est ici de Noville. Je suis passé ici devant, je l'ai rencontrée, et puis... l'accident de la vie. Non, elle était venue enseigner à l'école, et voilà. Ah, et voilà, elle était belle, jeune et accorte. Voilà. 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 Puis bon, sa maman était à côté, et bon, on a pris le terrain ici pour construire, et puis... C'est ça. Si on pouvait la mettre sur des roulettes, on le ferait. Mais ça, vous allez nous en parler, mais... Donc, vous avez vécu la construction de ce parc éolien, de cette éolienne, donc. Hein. Et alors, l'éolienne qui se trouve la plus proche de chez vous, c'est à combien de mètres, à peu près? Bien trop proche. 700 mètres, 600 mètres. 600-700 mètres. Sans qu'elle bouge. Ah bon? Un certain jour, je ne la supporte pas, elle est toute proche. Et d'autres jours, bon, j'essaie de ne pas la voir, j'essaie de ne pas les voir. Et comment réagissez-vous, par exemple, comme un jour d'aujourd'hui, quand il y a du soleil, et que vous voulez vous mettre sur votre terrasse? Mais je ne me mets pas sur la terrasse, je prends ma Jeep et je vais en forêt. Et je vais chercher le soleil là où il est, au bord d'une rivière, au bord d'un étang. Et ici derrière, certainement pas. Ah bon? Non. Donc vraiment, c'est pour vous considérer que la présence de ces éoliennes pour vous est une vraie nuisance à votre vie quotidienne? Totalement. Je me sens violé dans mon quotidien. Ouais. On m'impose quelque chose que je n'ai pas choisi et quelque chose qui détruit mes habitudes de vie, c'est tout. J'allais me promener régulièrement par là, je ne monte plus par là. Et c'est en fait uniquement la présence physique de ces éoliennes ou bien est-ce que ça a d'autres nuisances telles que le bruit ou telles que C'est-à-dire que si vous dormez chez moi, ça dépend d'où vient le vent, à un moment donné vous entendez quelque chose. Au début je me demandais ce que c'était, on aurait dû penser à un avion qui était en stationnement au-dessus de ma maison. Et puis ce bruit ne vous quitte plus et vous ne saurez plus dormir. C'est un bruit qui ne vous quitte plus, qui est là tout... Récurrent tout le temps. Récurrent et... Et quand il s'arrête... Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Le bruit est toujours là. Si, il s'arrête avec le bruit de la vie quotidienne. Oui. Bon, quand le voisin démarre ses camions, quand le cultivateur bouge son tracteur, quand les voitures passent, à ce moment-là, bon, le bruit se noie dans le quotidien, mais le silence, nous ne le connaissons plus. C'est ça. Le vrai silence que nous avions avant, on nous l'a volé. Et vous nous dites que vous avez décidé à cause de cela, tellement c'est dérangeant, que vous allez vendre votre maison et quitter la région. Nous avons décidé de ne pas vieillir autour de ces 7 saloperies d'éoliennes. Et vous avez décidé d'aller où, comme ça? Dans un endroit où il n'y a pas d'éoliennes. Vous avez bien étudié le problème, oui, alors. Oui, parce que j'ai vu le bourgmestre d'Atert. Oui. Qui est un ami, et je lui dis, écoutez, si vous voulez mettre des éoliennes chez vous, venez d'abord voir chez nous ce que nous subissons, et après vous prendrez votre décision à connaissance de cause. Mm-hmm. Et il m'a dit, Raymond, il n'y aura pas d'éoliennes dans ma commune. Parlez-nous justement de cette perte immobilière
Il me semble que vous avez quelques problèmes à ce sujet. Pas vraiment des problèmes, mais disons, je crois que ce sont des problèmes qui pendent sur la tête de chaque propriétaire de la zone. C'est-à-dire que, avant les éoliennes, notre valeur immobilière était à 1000. Mmh. Hein, et 2000, elle est retombée à moitié prix ou... Très peu de maisons se vendent dans la région, et celles qui sont à vendre, dont j'ai écho, des gens viennent visiter, la maison est bien, là, c'est parfait, et puis hop, en nous. Bon, c'est la même chose pour les locations, il n'y a plus rien qui se vend dans la région. Et ça, vous en êtes sûr? Oui, vous achèteriez, vous, une maison Non. À 600 mètres d'une éolienne, vous construirez une maison à... Non. Donc là, ce qui valait 1000 ne vaut plus 500. La nature, mais je trouve que ce qu'ils font, ce n'est pas respecter la nature. Ne prenez qu'au niveau paysager. Mm-hmm. Les paysages ardennais sont réputés partout. Mm-hmm. Je pars d'Arlon, je remonte à Côte-Rouge, j'arrive sur le plateau de Saint-Lay, au-dessus de Martelange, paf, les premières éoliennes de Saint-Aude. Je roule, paf, d'autres éoliennes à ma droite. Je vais aller vers le Grand-Duché, vers Luxembourg, un endroit merveilleux. Partout, mes yeux sont pris par ces saloperies d'éoliennes. On n'a plus un paysage ardennais comme nous l'avions. Et on continue, ça continue à Gouvy, ça continue à Messancy, on va mettre partout. Ça va aller où? On va voir quoi? C'est bien ça le problème, bien pour ça que nous essayons de nous battre contre cela. Et justement, c'est grâce à des gens comme vous qui pouvaient témoigner des problèmes que ça pose, que peut-être on va arriver à quelque chose. Mais il faut savoir que c'est un promoteur qui n'est pas de chez nous, d'un grand-ducal, qui ne nous a pas demandé notre avis, qui a reçu l'accord et sans doute des subsides et des primes de l'Europe ou de je ne sais pas tout quoi. De la région wallonne. Hein? Donc ce sont déjà nos sous, les primes sont payées avec notre argent, et en plus on vient installer ça à proximité de citoyens qui n'ont rien demandé et qui subissent de l'installation de ce parc éolien ou de ces parcs éoliens une perte que personne ne compense. On ne va pas nous dire votre revenu cadastral sera moindre, on ne va pas vous dire bon, on va vous donner autant de primes, nous sommes tous spoliés dans l'histoire. Et ça, nous ne récupérerons jamais, nos enfants ou nos petits-enfants ne récupéreront jamais la valeur de notre bien que nous avions avant le... Oui. Et il ne faudra pas s'étonner que nous soyons aussi dans des villages morts, c'est-à-dire des villages sclérosés qui ne vont plus s'agrandir, où les propriétés ne vont plus être améliorées, parce qu'on n'a pas envie d'investir dans... Oui, justement, vous nous aviez dit que vous aviez hérité de terrains constructibles qui se trouvent entre le village... Peu importe où, s'ils se trouvent ici, là-bas, où le notaire vient sur le terrain, il estime, bon, c'est en zone de construction, il regarde la plan de secteur, il dit, voilà, il y a autant d'art, donc j'estime votre terrain à 300 000 euros, ben, on paye le fait de succession sur 300 000 euros. Mais remettez les ventes aujourd'hui, vous en aurez 30 000 euros. À ce point-là? Je n'en sais rien, je ne les ai pas mis en vente. Mais qui... Bon, ça ne sert plus que de pâture à vache et de... C'est une aberration... Totale. Et les autorités communales, je crois qu'elles ont pris la juste mesure, mais beaucoup trop tard. C'est-à-dire que... Elles ont reçu des appels téléphoniques, des SMS à 3h du matin, des mails à 3h du matin, en disant, écoutez, nous en avons marre. J'ai même invité le bourgmestre à venir faire le quatrième pour jouer aux cartes. Et je lui ai même écrit une fois que j'étais vraiment en colère que le vent allait tourner ailleurs qu'autour des éoliennes. Et effectivement, il ne se présente plus aux élections, mais il a compris le problème et trop tard. Bonjour Olivier. Voilà un défenseur des éoliennes. Il est pour ?
Non. En plus, vous venez d'une mauvaise journée parce qu'on ne les entend pas beaucoup. Ah, si, on les a entendus de chez grand-mère. Ah, oui, à Bourcy, oui. Quand elle donne à Bourcy, elle ne donne pas chez nous. Ah, oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais en hiver, par exemple, Olivier travaille par à 5 h du matin régulièrement. Il se lève en disant oh, le putain d'Éolène m'a encore empêché de dormir cette nuit-ci. C'est... Même fenêtre fermée, on sent une oppression. Ben, si vous les voulez, on vous les donne. Vous avez senti une dégradation au niveau de votre santé, s'il vous plaît. Ça a il en a résulté une dégradation de votre santé. Oui. Par le fait que les nuits ne sont plus complètes, niveau hypertension, au niveau nerveux, on a vraiment un rythme de vie avant les éoliennes et après. Avant, c'était le sommeil normal comme tout le monde. Et puis, c'est 3 nuits sur 7, ou bon, à 3 heures du matin, je suis à l'ordinateur parce que bon, je ne sais plus dormir. Et ça dure parfois jusqu'à 5 heures. Et puis, après-midi, bon, le sommeil arrive. On est vraiment dans... Oui, je ne souhaite qu'une chose, c'est de partir et trouver une sérénité ailleurs. C'est fou. Hein. Oui. Vous avez des amis à Senonchamp également. J'ai un collègue à Senonchamp, je l'ai vu ce matin lors des funérailles, et je lui parlais de mes problèmes éoliens, de mes nuits perturbées. Écourtées. Et il me disait que chez lui, c'était pareil, qu'ils avaient les mêmes sentiments, pourtant elles sont plus petites que chez nous. Et ils ont aussi, une fois qu'on les entend, ça ne quitte plus l'oreille. C'est étonnant, parce que toutes les personnes que nous avons interviewées ont exactement les mêmes mots que vous venez de donner. Oui. On a un bruit qui ne nous quitte plus. Voilà, c'est ça. C'est ça, on a beau faire... je peux venir me mettre ici dans mon fauteuil, regarder la TV, ben j'entends... C'est un avion en permanence au-dessus de la maison, un avion qui n'atterrit jamais. Et parfois, j'ai envie que l'avion s'écrase. Le bourgmestre de la commune qui m'a envoyé ce mail. Donc, si c'est préjudiciable pour les citoyens, lui, en tant que responsable politique de la commune, doit faire en sorte que ces nuisances préjudiciables pour les citoyens cessent. C'est son devoir de premier élu de la commune. Et s'il n'a pas le pouvoir de le faire, c'est à lui à faire remonter vers les autorités responsables, provinces ou les autorités wallonnes, que ici nous subissons des nuisances préjudiciables pour les citoyens. Et je crois que quand on regarde la réalité du terrain, on voit que beaucoup de gens sont perturbés, subissent des nuisances, et nous n'avons pas encore mesuré la juste mesure de ce qui nous arrive. Exactement. Bon, il ne faudrait pas s'étonner qu'un jour il y ait un suicide quelque part dû à cette goutte d'eau qui sans cesse... C'est un peu comme la torture du... C'est une torture. Moi, je dirais les éoliennes, trop proches des citoyens, c'est une torture. Et contre des tortures, il y a des gens qui se lèveraient pour vous péter contre des tortures. Et ici, personne ne... Les écologues qui sont les premiers défenseurs des gens torturés, ils seraient les premiers à se lever, à s'opposer, à dénoncer, à intervenir. Eh bien, la torture que les éoliennes nous subissent, eh bien, ils ne semblent pas en prendre conscience. Non, ça c'est tout à fait vrai. Ils ne semblent pas en prendre conscience. C'est du verre, Non. Ils ont des œillères, il serait temps que certains retirent leurs œillères. Et qu'ils se réveillent. Et qu'ils se réveillent, qu'ils viennent ici prendre la juste mesure. Ouais. Oui, c'est une torture. Donc, madame, vous habitez à Moinet et
en fait, quelle est votre occupation principale et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites, quels sont vos hobbies? Pouvez-vous nous en parler un tant soit peu? Oui, ben donc je suis enseignante et pour le néerlandais d'une part et normalement toutes les autres branches d'autre part, mais pour l'instant je suis nommée comme professeure de théâtre pour organiser un grand spectacle interscolaire en fait. Mm-hmm. Voilà, et alors ben, mes hobbies ce sont évidemment me promener dans la nature, observer les animaux, relever les traces, photographier. Et voilà, ma petite ambition tout à fait personnelle, c'est de faire un livre, en fait, sur la beauté de la nature, sur ce qu'on peut voir quand on ouvre son troisième œil, si je puis dire, avec l'espoir que ça fasse aimer la nature aux gens et qu'ils la regardent d'une autre manière, parce que c'est très vivant, en fait. Donc, je ne suis pas d'accord que l'on appelle ce genre de production d'énergie verte ou renouvelable, parce que c'est un mensonge. Qu'on appelle ça un appareil pour produire de l'énergie, ok. Mais qu'on ne dort pas la pilule aux gens, qu'on ne fasse pas croire que c'est écologique, que c'est vert et que c'est ceci et que c'est cela, ce n'est pas vrai. Voilà, il y a des composants toxiques et chaque pale fait 30 mètres carrés de fibres de carbone non biodégradables. Sans compter les tonnes de béton qui sont là dans le sol, il n'y aura plus jamais rien qui va pousser dessus sauf un peu de gazon. Hein. C'est fini, quoi. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et on ne parle pas de tous les nuisances maladives, je vais dire, que cela induit. Hein, tous les problèmes que les sons et les infrasons induisent sur la santé des gens. Donc on est encore juste en train de parler de la structure de cette éolienne, de l'endroit où elle est mise et de l'impact du bruit. Juste le bruit qu'on entend, mais il y a les bruits qu'on n'entend pas, les ondes qui malgré tout agissent sur la santé aussi. On a abattu un bois hein, pour ça. Ah oui. Il y a un bois et en une semaine c'était fait et l'autre semaine ces poteaux étaient là quoi. Toujours, je vais dire avec... une impossibilité de se retourner, tellement c'était vite, quoi. Et vous avez été prévenu là-bas? Non, pas du tout. À mon œil, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Vous n'avez même pas été convoqué, rayon d'information. Je n'ai pas été prévenu aussi, parce que c'est quand même à mi-chemin entre Bourcy et Noville. Enfin, j'imagine que les gens de Noville pourraient peut-être avoir des problèmes aussi. J'en sais rien. Je n'ai pas de doléance. C'est parce ça. Que. Oui, voilà. Je suis pas d'amis à Bourcy, j'ai pas d'amis à Noville, et quand j'y vais, c'est en plein jour, quoi. Mais quand vous allez à Noville, par exemple, vous passez vraiment à côté du... Je passe à côté. À disons côté que la première parc. Fois, j'ai eu un problème sur la route avec l'ombre de la pale. Oui. J'ai vu l'ombre, je me dis, oh, il y a un animal qui passe là où... Et ça m'a déstabilisé le temps que je me rends compte que c'était... Il fallait un deuxième passage. Oui. Oui. Voilà. Eh bien, mais vous vous êtes déjà arrêté pour écouter ou pas? Oui, j'ai même enregistré le bruit, oui, oui. Et qu'est-ce que vous en avez ressenti ou mais entendu? Je veux dire, quand on est juste en dessous, bah, évidemment, ça fait du bruit, mais vous êtes juste en dessous. Oui. Et je vais dire que j'étais surprise que ça ne fasse pas plus de bruit en étant juste en dessous. Voilà, tout à fait honnêtement. C'est normal. Mais l'autre jour, bah, toujours pour le film que j'organise avec les enfants de mes classes, je cherchais un bois, parce que je vais filmer une armée qui rentre de bataille, une armée de l'Antiquité qui rentre de bataille, donc je cherche un coin. Je vous jure, j'ai dû chercher pour trouver des prises de vue sans éolienne, sans pylône électrique, enfin c'est la croix et la bannière pour trouver quelque chose comme ça. Et là, au détour du sentier, et en sortant du bois, je suis tombée face à une des éoliennes de Bourcy. Et là, j'ai dit, ah oui, là, je comprends. Vous savez? Ah, j'ai dit, je comprends les gens. Un boucan terrible. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Et était quelle heure à ce moment-là? Attendez, oh, 6h, 7h du soir, je ne sais pas, oui. Donc, 18h, 19h. Ouais. Et donc le vent a donné l'impression d'être puissant Le vent quoi, de l'éolienne ou le vent non, naturel? Non, le vent que vous ressentiez. Naturel. Le vent naturel, il était rapide, il était...
Je ne sais pas dire. Même pas. Je ne sais pas dire, non, parce que j'étais encastrée dans le bois. Mmh. Je ne pense pas que c'était un jour de grand vent spécial, non. Et malgré ça, vous avez considéré que le vent était absolument difficilement supportable. Que le bruit. Le bruit. Pardon, excusez-moi, le bruit. Le bruit de l'éolienne était difficilement supportable. Vous avez dit horrible. Horrible, oui, parce que toujours, je ne peux pas, il ne faut peut-être pas filmer ça, mais je cherche toujours des endroits de camping. En tout cas, au moins une pique-nique tranquille, c'est éliminé, quoi. Petit coin de bois, là, il est éliminé. Malgré que ce soit ravissant, c'est joli comme tout. C'est un petit bois d'un côté, une petite vallée de l'autre, et un ruisseau, ça serpente, c'est ravissant. Non, c'est fini. Là, je ne vais pas là, quoi. C'est sûr. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui étudient la possibilité de mettre des éoliennes vis-à-vis, disons, de tous ces gens qui sont des riverains, qui vont vivre autour d'un parc éolien à construire? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Oui, mobilisez-vous pour que ça n'arrive pas, quoi. Je pense qu'on ne doit pas placer ça, on ne doit pas couvrir la Belgique de ces trucs-là. Qu'on choisisse quelques sites où on en met 200, les unes à côté des autres, mais pas étaler ces monstres sur tout le paysage. En plus, on choisit chaque fois des endroits qui sont réputés pour leur beauté, leur calme et tout. On dit la campagne, il n'y a rien, hein. Vous pouvez courir pour trouver un film un peu chouette. Théâtre, c'est des théâtres locaux faits par des troupes locales amatrices. Ok, c'est sympa, mais c'est quand même pas du grand théâtre. Opéra, c'est mon œil. Magasin de grands trucs, rien du tout. Non, il n'y a rien à la campagne. Mmh. Ce qui fait le charme de la campagne, c'est l'espace, la beauté, le calme. Ben, s'il n'y a plus ça, ben, je ne sais pas, moi, on peut déménager. Hein. Oui, à ce niveau-là, quelles sont les doléances que vous avez pu recueillir depuis l'installation de ce parc? Ce sont des gens qui, ils vont dormir, ils laissent la fenêtre ouverte et puis pendant la nuit, ils doivent se lever à 3h du matin pour aller fermer la fenêtre parce que c'est insupportable, quoi. D'autant plus que la vitesse n'est pas constante, hein. Il y a des pics de vitesse. Ouais. Donc, je veux dire, ils peuvent très bien s'endormir sans problème, par exemple, et puis qu'à 2h du matin, le pic de vitesse augmente et alors là, ça devient difficile, quoi. Ou par exemple, en cas de givre, je sais que c'est abominable. Ça, je sais que c'est très très dur pour eux. J'ai un jour des personnes qui habitent à Buret qui m'ont dit qu'ils sont venus à l'officine le lendemain. Ils disent c'est bizarre, on a eu quelque chose, ça, c'était incroyable. On avait l'impression qu'il y avait des avions qui allaient passer et on était sur le pas de la porte et on regardait en l'air et on n'a rien vu passer, quoi. Et on s'est rendu compte par la suite qu'en fait c'était... Le vent était dominant sur Buret et que, n'étant pas habitués d'avoir un bruit comme ça, ils avaient regardé en l'air et ils n'avaient rien vu. Et c'était très drôle parce que moi j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues à l'officine m'expliquer ça et on a fait le rapprochement avec les éoliennes. Quoi. Ce jour-là, ça avait été infernal. Ça, on l'avait dit, quoi. Je veux dire. Mes patients m'avaient dit, oh là là, c'est vraiment infernal. Ils l'avaient entendu à Buret, quoi. Et vous pouvez nous dire, il y a combien de kilomètres entre Bourcy et Buret? Oh, ça doit faire 6-7 kilomètres. Merci. Comme vous venez de l'entendre, il est établi que les éoliennes ne sont pas sans impact sur la vie des citoyens, comme voudraient bien sûr nous le faire croire certains hommes politiques, une certaine presse et bien sûr les représentants des entreprises et groupes de pression intervenant dans la filière éolienne. Quelles sont les nuisances créées par ces engins pour la santé humaine? Celles qui sont les mieux connues sont le bruit et l'effet stroboscopique. À ces deux nuisances bien connues, vient depuis quelques années s'ajouter une nouvelle nuisance qui était scientifiquement et médicalement démontrée être liée aux éoliennes. Les infrasons, dont l'effet est très pernicieux au même titre que les radiations. Passons maintenant ces nuisances en revue en un instant. Le bruit. Depuis le début de l'ère du tout à l'éolien, on tente de nous faire croire que les éoliennes ne font pas de bruit. Il suffit de se trouver à quelques centaines de mètres en aval d'un parc sous un vent moyen pour se convaincre du contraire. Comme le déclare spontanément une des personnes interviewées, qui dit « Même moi qui est sourd, pour ainsi dire, je les entends, alors faut pas demander à elle, hein !»
en parlant de son épouse. « N'oubliez pas que quand il n'y a pas de vent, les éoliennes ne font pas de bruit, mais ne produisent rien. Elles commencent à être bruyantes à partir d'une vitesse de vent de 4 mètres par seconde, vitesse minimum pour démarrer la production d'électricité. Le bruit devient, comme dit M. Kremer, infernal quand elles tendent vers leur rendement optimal. Le bruit peut encore augmenter par temps de brouillard ou par temps de gel, à cause de la rosée ou du givre qui se fixe sur les pales et en altère le profil aérodynamique. Deuxièmement, l'effet stroboscopique. C'est l'alternance de l'ombre et de la lumière causée par les pales des éoliennes qui se trouve entre vous et le soleil. Pour ceux qui y sont soumis, en plus d'être extrêmement désagréables, cela peut entraîner des conséquences graves pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou d'épilepsie. Pour s'en convaincre, regardez les deux avis photographiés au Musée d'art contemporain de Sète en France et à la Fondation MAG de Saint-Paul-de-Vence. Troisièmement, les infrasons. Si le phénomène des infrasons et leur impact très négatif sur la santé humaine sont connus depuis des années 50, avec les études du professeur Gavreau de Marseille, des études récentes démontrent que les éoliennes en sont une source importante. Les infrasons sont générés principalement par le passage des pales du rotor au droit du mât de chaque éolienne. Comme les radiations, les infrasons sont inaudibles et non perceptibles physiquement de manière immédiate, ce qui les rend très pernicieux. Les études qui commencent à se multiplier dans les pays où l'énergie éolienne est développée dénoncent de plus en plus formellement la nuisance que représentent les infrasons générés par les éoliennes pour la santé des gens qui y sont soumis, et ça de façon prolongée. Il s'agit d'un problème de santé publique au même titre que sont ou que furent les radiations ou l'amiante. En effet, du fait de leur puissance de pénétration, les infrasons se propagent beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que le bruit audible par l'oreille humaine. Dans un rayon de plusieurs kilomètres, rien ne les arrête, ni les arbres, ni les vitres, ni même les murs, comme les rayons gamma. Les infrasons causent des nausées, des troubles du rythme cardiaque, des perturbations des sens de l'équilibre de l'oreille interne, des acouphènes, des insomnies, le tout pouvant conduire à l'épuisement ou à la dépression profonde. Ni vous, ni vos enfants ne devez en être victimes. Exigez de vos représentants politiques que des études scientifiques indépendantes de tout lobby éolien soient menées à ce niveau. Nous sommes convaincus qu'elles ne pourront que corroborer les conclusions des scientifiques qui étudient ces phénomènes. Quatrièmement, la dépréciation immobilière. Il est de plus en plus courant d'entendre et de lire que suite à l'installation d'un parc éolien, la valeur de l'immobilier environnant, immeubles et terrains à bâtir, a chuté de 25 à 30% et ce pour autant que des acquéreurs se manifestent, ce qui est loin d'être le cas. Les justices françaises, anglaises, hollandaises et allemandes ont déjà reconnu ces pertes de valeur dans des jugements qui allouent des dommages et intérêts substantiels aux malheureux riverains concernés. Dans notre pays, aucune action n'a encore été introduite, mais cela ne saurait tarder. Cinquièmement, les feux de position. Au chapitre des nuisances, on peut encore citer les feux de position des éoliennes, obligatoires pour leur signalisation au niveau aérien. Comme ces feux très puissants clignotent de nombreuses fois par minute, nous espérons que vous ne les verrez pas de votre chambre à coucher, car pour vous permettre de dormir, il ne vous suffira pas de tirer les rideaux, vous devrez installer des volets. Après avoir entendu ces témoignages et notre analyse des nuisances, nous sommes convaincus que vous en arriverez à la même conclusion que nous. Oui à l'éolienne, mais pas n'importe où, ni n'importe comment. Sachez que d'après nos études, plus ou moins 45% des habitants de la commune de Sprimont
seraient directement impactés par ce parc et près de 80% le verraient de chez eux. Rappelons que la hauteur totale prévue avoisine les 150 mètres, soit l'équivalent d'un building de plus de 40 étages. Au vu de ces nuisances maintes fois dénoncées dans les publications scientifiques, nous devons attirer l'attention de nos représentants politiques, communaux, régionaux et fédéraux. Nous demandons également à mesdames les ministres wallonnes et fédérales de la Santé d'entamer une large étude sur les nuisances générées par les éoliennes situées à de trop grandes proximités des riverains, qu'il s'agisse d'habitants ou de travailleurs. Notre santé, celle de nos enfants et petits-enfants, sont en jeu, sans parler de la qualité de notre environnement, qui attire chaque année des touristes garants de 60 000 emplois en Wallonie. Vous allez nous dire, oui, mais quid des énergies fossiles qui s'épuisent et qui ne sont pas renouvelées ? L'avis de notre comité est que si l'éolien peut jouer un rôle dans la réponse à cette question, il faut qu'il reste dans des limites du raisonnable, du bien-être et de la santé de chacun. À ce jour, d'autres méthodes de production d'énergie, telles que la biomasse, les éoliennes en mer et le photovoltaïque de troisième génération, répondent ou sont en voie de répondre aux normes de production d'énergie renouvelable acceptées par la Belgique. Si l'on suit certains de nos ministres qui veulent atteindre pour 2020 20% d'énergie renouvelable, ce qui est bien au-delà de ce qui est imposé par la Commission européenne, l'éolien devra y contribuer majoritairement par la construction de près de 1000 à 1200 éoliennes nouvelles pour une puissance installée de 4500 gigawattheures. Si cela se réalise, sachez que notre facture d'électricité, toute autre chose restant égale, augmentera en finale de plus ou moins 500 euros par ménage et par an, et ceci uniquement pour financer les producteurs d'énergie verte qui, rappelons-le, ne peuvent exister que grâce aux certificats verts. Pour vous en convaincre, il suffit que vous regardiez la dernière ligne de votre facture d'électricité, contribution aux énergies vertes. Vous pourrez constater que chaque année, le pourcentage de cette contribution augmente. D'autres pistes très prometteuses de production d'électricité sont en cours d'expérimentation. Nous ne citerons que quelques-unes, telles que les réacteurs à sel de thorium fondu à l'université de Shanghai, au MIT ou à l'institut Kourchatov de Moscou, ou bien le réacteur belge Mira de Mol. Et enfin, nous pouvons parler du projet ITER relatif à la fusion nucléaire. Nous disons bien la fusion nucléaire et non pas la fission nucléaire, dont le seul résidu est de l'eau, mais qui lui est bien entendu à beaucoup plus longue échéance. Tout ceci devra bien entendu faire l'objet d'un autre DVT. Madame, Monsieur, voici la fin de notre présentation et nous espérons qu'elle vous aura intéressé. Rappelez-vous, une éolienne construite, c'est la voir, la vivre et la subir pendant plus de 15 ans. Tant en Europe qu'aux USA, qu'au Canada et ou en Australie, le signal d'alarme est tiré quant aux conséquences sur la santé lorsque les éoliennes sont trop proches des habitations. Outre les études sur le bruit et l'effet stroboscopique et leurs conséquences sur la santé, des études scientifiques se sont multipliées sur les infrasons et leur impact sur la santé. En conséquence, et afin d'éviter de multiplier les expériences malheureuses, aucune nouvelle implantation ne devrait être autorisée à proximité des zones habitées. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de critères scientifiques absolus à ce jour ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement et de la santé. Il s'agit là d'un principe de droit dit principe de précaution.
dont le non-respect expose les décideurs à la mise en cause de leurs responsabilités. Sur base de ce principe, interpellez vos représentants communaux, régionaux et fédéraux sur les risques que font courir les éoliennes aux citoyens. Exigez des mesures et des preuves, tant médicales que scientifiques, établies par des personnes parfaitement neutres et indépendantes. L'énergie a un prix, mais votre santé et votre vie valent beaucoup plus. Si à juste titre, nous défendons la protection de l'environnement, de la faune et de la flore, il ne peut être admis que nos responsables politiques n'accordent pas la même attention à la santé des hommes, des femmes et de leurs enfants. Nous avons énormément d'informations, d'études scientifiques et d'articles traitant de ces sujets. Ils sont à votre disposition. Il suffit de vous rendre sur notre site dont vous voyez l'adresse sur votre écran. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront de lire, entre autres, les études scientifiques qui ont sous-tendu notre action. Si vous désirez nous rejoindre afin d'être le plus nombreux possible à faire entendre nos voix, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante sprimon.eolienne@gmail.com. Notre comité vous remercie pour votre attention.